Bonsoir à tous les amis fidèles de la télévision LNTV. Bienvenue dans la troisième sortie du journal rapidement, mes grands. Banque République d'Haïti a annoncé qu'il décide de prendre une pause pour 3 mois qui commençait lundi 3 octobre passé sous deux dispositions dans ce qui est 114-3 concernant paiement transfert en dollars américains. Côté autorisé maison transfert à Banque pour faire gens ça te compte fait avant maison transfert yo a carrémettre client yo l'argent en dollars américains. BRH suspend toute disposition concernant vente de devises qui dans ce qui est 114-3 qui était obligé sous agent yo négocier 30% dans l'argent dollars américains yo te con recevoir avec intermédiaire. Nicholson Pierre alias Baba militant Petite Dessalines joint libération li jeudi 5 octobre 2021 après te fin joun arrestation le 3 octobre qui s'est passé là. Divers protestataires étaient passés dans nouveau local la parquet Port-au-Prince qui sur route la LIA pour déporter solidarité avec lui et puis exprimer satisfaction yo pour libération Bab et puis continuer avec même forme revendication yo qui c'est départ PM Ariel Henry. Bio avocat international UBAI voulait jeter comportement policier face à manifestants yo dans maspiné yo avec gaz lacrymogène à côté la vie. Coordonnateur Biwa, M. Mario Joseph a souligné population a gain tout droit pour les manifester selon constitution 87 la police est là pour protéger bien ak vi moun ki sou liye. Plusieurs militants manifestés dans ville Okap journée mercredi 5 octobre 2022 pour protestataires yo pas caché frustration yo face à un mauvais traitement y a sibi en bas agent force l'ordre. Militants ont continué mandé premier ministre Ariel Henry pour lager pied parce que pays a pas dirigé. Voilà les amis téléspectateurs, c'est ensemble pour ça qu'il y a un pilote qui va le développer, qui est branché à déplacer. Merci d'avoir toujours été branchés, amis téléspectateurs. Nous retournons tout de suite après pause là, mais développement journal là. Dans notre Banque République d'Haïti, il a annoncé qu'il décidait de prendre une pause pour 3 mois qui commençait lundi 3 octobre passé sous des dispositions dans ce qui est 114-3 concernant paiement transfert en dollars américains. Côté autorisé, maison transfert à banque pour faire même gens, ça a été fait avant. Maison transfert à carrément client l'argent en dollars américains. BRH a suspendu toutes dispositions concernant vente de devises dans ce qui est 114-3 qui était obligé sous agent de négocier 30% dans l'argent dollar américain qui était recevoir avec intermédiaire qui c'est banque bi échange avec toute l'autre entité BRH était désigné. Article 1.1 dit comme ça. Par conséquent, les transferts sur compte en dollars continueront à s'effectuer comme auparavant jusqu'à l'expiration de la période de la mise en vigueur. Décision si la vini dans l'idée pour permettre à agent transfert autorisé de joindre temps nécessaire pour développement et faire mise en place une routine contrôle sous application totale ce qui est 114-3. L'autre information, les amis téléspectateurs, économiste Kisner Farel qui a intervenu sur Radio Magique 9 par rapport à l'impact pays l'OK la gagné sous l'économie pays. Présenter un tableau somme qui peut mettre la population dans plus misère pendant l'économie, attirer l'attention de l'opinion sur la possibilité d'un chiffre en contraction économique catastrophique. Kisner Farel fait connaître. C'est toutefois après le pays a sorti avec une contraction économique qui égale à moins 1%. C'est un coup n'a bien sorti par rapport à gros conséquences de l'OXA. Lors du mois de septembre qui passe, a pas coûté pays à très cher, toujours d'après économiste. Plus de détails à la question Farel, dans le micro à LNTV. Il y a le deux ou dernier gouvernement qui sorti une lettre de cadrage. Et le document est extrêmement important, quand on parle en pile de lui-même, qui peut dire que le n'y a pas de croissance économique qui est espérée de 0,3% pour l'exercice fiscal. Ça a été sorti dans la récession économique depuis 3 ans, parce que c'est la quatrième année que nous là. Eh bien, il y a fait une contraction économique de moins 0,4%. Ça a été fait en août, qui veut dire qu'il y a 4 années consécutives de contraction économique. Et ça veut dire que chaque année, on a perdu richesse, on a détruit richesse de l'ordre de 1,9% pendant 4 dernières années.
que ça n'était capable de brûler 6-7 juillet 2018, qui était pas pour vous, qu'on contraction économique de moins 1,7%, que le premier lot que nous avons pris, qui était plongé en plus bas, en bas 3%, ensuite, nous pas capable de sortir, donc qui fait moins 2,3%, donc en moyenne, nous étions à moins 1,9%. Donc, je dis à la, ça que le gouvernement était prévu les 2 août là, on mettait facile, parce que le mois de septembre, on a perdu là, sous sortir avec moins 1% de contraction économique qu'on a fait bien. Donc, ça veut dire qu'on garantit qu'on fait 4 consécutives et en moyenne, on détruit une richesse de moins 2%. Donc, son mois de septembre qui a coûté extrêmement cher parce que l'octave, son octave raffiné, qu'on est à ici, c'est un petit bon, et dit que n'ont pas innové et amélioré la construction. Donc, ce qui s'y prenait l'octave, on a pris une piste du IA, donc l'octave lui-même, il continue et il va coûter extrêmement cher parce que on a perdu plus de richesse qui fait que l'exercice fiscal l'a fini très mal. Donc, on gagne et moins 1% de probabilité que contracter. Ensuite, le gouvernement, le 2 août, la même lettre de cadrage, là, était prévoit que l'inflation a fini en septembre 2022 à 28,8%, qui est déjà extrêmement élevé dans le pays côté que 60% monde et plus en situation de pauvreté, 25% monde et plus en situation d'extrême pauvreté. Donc, le troisième variable qu'on va créer, qu'on va dire la misère, parce qu'il va tomber comme ça, de pauvreté à extrême pauvreté, qu'on a fait la misère totale. Donc, on va retrouver nos situations de plus en plus difficiles. Et ensuite, le gouvernement a dit pour 9 premiers mois d'exercice fiscal là. Et ça nous connaît, nous remet en pile la manne d'eau, la canadria, il était contracté de 25% déjà, parce que l'année dernière, il y a plus que 4 milliards de dollars de transfert de devises, puisqu'on dépend de ça considérablement. Et je dis à même, c'est un rôle comme là, difficile pour le prendre. Donc, voilà quand même, 2021-2022, exercice fiscal qui finit vendredi dernier, 30 septembre là. L'exercice fiscal. Bon, et il faut séparer l'économie de politique là parce que nous connectons, oui, mais décision politique sont capables de gagner des impacts économiques extrêmement graves. Et je crois que le gouvernement a plein depuis quelques temps, il a perdu près de 7 à 9 milliards de gouttes par mois. Et aussi, il y a une subvention pour année à combien de près de 50 milliards de gouttes. Et ça a des justifications, c'est des choix difficiles sur le plan économique, donc on va investir. La subvention pétrole qui impacte, qui sur l'autre secteur qu'on gagne, qui est l'éducation santé, tout ça est capable de disparaître. Mais où y a là, comment on va gérer sur le plan politique et sur le plan communication en quelque sorte. Donc, on va prendre une décision comme ça qui aussi fatale. Et nous sommes beaux chiffres parce que c'est le gouvernement qui prévoit qu'en septembre 2022, c'est bien notre que l'inflation à 28,8%. Après, après, qu'en juin, il était déjà, en juillet, pardon, il était déjà franchi la barre de 30%. Donc, qui fait que le monde a vu dans une situation extrêmement difficile. Et là, le monde pauvre et la situation de le pays d'Haïti qui sont gagnés 50% du budget, l'argent qu'on rentre, c'est manger ou acheter avec. Bon, 15%, c'est transport qu'elle fait. Donc, on a déjà ça le bas. Donc, il dit qu'on a déjà pris 65%. Donc, lorsque on augmente ces gaz-là, les variables, que les produits alimentaires-là, que les capables de transport-là, affectent beaucoup plus encore. Et nous connaissons que le pays a deux moments difficiles, que ce soit dans deux marchés principaux, à savoir marché dollar et marché et pétrolier, que nous avons très mal géré. Donc, pour une décision politique comme ça, sans une bonne communication, et en plus, où déjà, c'était promis, en décembre 2021, lorsque le premier ajustement, c'était un paquet de mesures qui pouvaient prendre, mesures pas prendre. Et nous avons dit qu'il y avait un coup de balance dans ça. Donc, il y a un problème de méfiance considérable. Donc, c'est une très mauvaise gestion politique de cette affaire. Donc, là, on a dit, ouais, c'est fonds monétaires qui demandent ça. Mais fonds monétaires, pas quand même, dans la garde, nous pouvons faire ça. Ils sont capables de payer les conséquences. Mais en gestion politique et communication, que nous faisons mal comme nous connaissons. Divers ambassadeurs qui accrédités dans le pays d'Haïti, qui représentent des organisations internationales, parmi eux, Allemagne, Brésil, Canada, Chili, Espagne, États-Unis, Chine, Mexique. La Suisse, Union européenne, Nations unies et OEA, par cacher inquiétude face à un terminal varieux qui bloqué et puis sur les liens qui impact, la situation s'est gagnée sous plusieurs secteurs dans la vie nationale. Journée 5 octobre, la diplomatie a lancé un appel à une trêve humanitaire pour favoriser la distribution de produits pétroliers. On a rappelé que le terminal varieux a publié la quantité de gaz gagné et stocké dans la date 29 septembre 2021 qui était partie comme ça.
4 983 426 gallons diesel, 816 228 gallons kérosène à 5 162 346 gallons gasoline qui jusqu'à journée jeudi a pas arrivé dans les stations service. Nicholson Pierre alias Bab, militant Petite Dessaline, joint libération li jeudi 5 octobre 2021 après l'été fin juin arrestation 3 octobre qui se passe là. Divers protestataires ont massé dans nouveau local par Port-au-Prince qui sur route la LIA pour porter solidarité avec lui. Plusieurs avocats et militants exprimer satisfaction pour libération Bab et puis continuer avec même forme revendication qui se départ PM Ariel Henry. Plus détails dans micro Gadi Barthelmy avec Karine Pierreville. Démarche avocat, donc nous y faisons une libération, monsieur. Donc nous te soumettons une requête en liberté conditionnelle. Donc le parquet nous agrée à notre demande. Donc nous jouons une libération, Bab. Donc on comprend. Et nous-mêmes, comme avocat, nous avons toujours gagné ces batailles pour militants. Nous avons toujours gagné ces batailles pour tout le monde qui est en prison. Parce qu'on est en dehors de prison, son bagage qui est difficile. Donc c'est dans ce sens-là, avocat accompagné là. Donc on a eu la libération de Pierre Nicholson alias Bab. Donc il est libre de ses mouvements, donc il peut recouvrir, il peut rentrer chez lui tranquillement et calmement. La bataille continue, donc nous avons dit aux militants que nous avons continué à avancer avec eux, la bataille a continué, la défaite du droit est provisoire. Côté mien, vous savez ce qu'on nous fait pour moi, mais si nous ne connaissons pas la bataille là, la lutte, on est au thème, je dis à nous de Kakoupi. En vertu de une requête, voici la requête et que nous avions adressée au commissaire du gouvernement hier. En vertu de cette requête, on nous a octroyé une ordre d'extraction. Eh bien, il a été extrait de la prison civile de Port-au-Prince. Et maintenant, nous retrouvons la libération de notre camarade militant Pierre Nicholson Bab. Bon, maintenant, la mobilisation est redémarre. Automatiquement, comme vous pouvez le constater, la mobilisation recommence pour la plus belle et nous sommes vraiment satisfaits de cette décision de justice et nous demandons à la population d'intensifier considérablement cette mobilisation. Il n'y a pas d'intimidation et nous sommes là pour pouvoir assister et défendre jusqu'au bout. Chaque militant, chaque manifestant arrêté dans le cadre de cette lutte pour la libération nationale. Que la lutte continue. Je ne dis pas,
pas un côté que ou capable manger Haïti pour pas dire ou pas joindre comme si son parti problème lié grand goût chômage la vie chère ça dit tout ça yo insécurité sous toute forme insécurité alimentaire insécurité et sociale insécurité ça dit sous toute forme. Ah ben c'est toute raison ça qui mettait nous dans la rue pour nous dire que nous pas capable encore. Nous pas capable encore côté que gallon gaz à 27 800 $. Côté que gen moun c'est chauffeur moto yo, c'est tiné, y a metté dans marche dans moto yo pour faire moto à fonctionner. Laisse ça, gen moi gen moun comme si qui capri qui pas prend gen moun capri qui pas prend ça en charge côté que jeune ça qui mettait tiné dans moto là, il ca perdu la ville parce que tiné a son produit qui vraiment violent, qui vraiment est capable porter des dégâts dans question moto ba ça. Jounen jodi an, tout vieux acte de brigandage ça yo qu'a fait en dans pays an, côté que ti moun pa ka l'école, insécurité a kidnapping continue à faire en dans pays an. Zam épiscopal gaye tribo et pa bon en dans pays an. Eh ben nous dit comme ça que nous vini pour nous capable chercher justice sociale, bien-être pour tout moun là. C'est lui que nous vini chercher jounen jodi an. Le constat est clair jodi an. Après plusieurs semaines de mobilisation, le peuple, la population et entièrement est à bout de souffle. Il n'est pas capable encore, il est essoufflé. Il est à bout de souffle parce que je dis à le pays est complètement bloqué. Et l'institution qui a pour la santé, ça c'est dysfonctionnel. L'école pas fonctionné. Et marché public, ça c'est pas fonctionné. Et supermarché pas fonctionné. Transport pas fonctionné. Et tout ça, il y est ensemble avec un grain de bagaille. Il y est ensemble avec un produit qui est le gaz. Qui se ont produit à la fois stratégique et transversal. Donc gaz l'a bloqué pour plusieurs raisons. Première raison, c'est parce que justement population a revendiqué yo pas qu'à payer coût la vie chère, augmentation prix gaz yo après l'entraîner. Yeah. C'est peut-être ça population a dit yo même yo décidé bloquer, yo décidé faire de manifestations, de mouvements de mobilisation, décidé mettre barricade pour capable empêcher s'il arrivait. Et que en face là ça gagne, nous gagnons un pouvoir criminel, un pouvoir rétrograde, un pouvoir qui n'est pas être capable, un pouvoir qui pas gagne deux dirigeants haïtiens dans tête li, c'est deux dirigeants importés, particulièrement Ariel Henry qui c'est à la fois yon irresponsable et que nèg yo décidé qu'embe population nan eto. Et que je dis par rapport à ça là, qui ça supposé fait. Le constat est clair comme ça dit, c'est que et après plusieurs semaines de mobilisation, population pas capable encore. Il est à bout de souffle. Maintenant, il revient, si tu es un dirigeant de pays, pour te prendre toute disposition pour empêcher la population de mourir grand goût, mourir dans la crasse, mourir parce qu'il n'y a pas de paix, mourir parce qu'il n'y a pas de manger, mourir parce qu'il n'y a pas de déplacer, mourir parce que justement, je dis, corona et choléra censé voulaient remonter et il y a des gens qui commencent à mourir dans la choléra. C'est mes téléspectateurs, nous venons un moment pour nous observer. Deuxième pause, nous, il était branché, pas déplacé. Merci là, c'est toujours été branché, les amis téléspectateurs. Nous retournons tout de suite après pour cela, mais restez informations. Dans la Montana, attention, vous continuez en dans consensus en Montana, peine gré dans le dernier jour ça y est, par rapport à la crise politique là, empire en Haïti. Attention, ça y est, toujours en dans à quoi, mais ces derniers moments ça y est, grand public là au courant de y est, selon yon maman BSA, James Beltis. Attention, ça y est, arrivé dans niveau ça. Je ne jodi à par rapport à différents lectis et liyo à coordination. Nation à quoi gagner. Selon le président KNTA, James Beltis, c'est bien. Capsi, mais pour fig à poivre en dans à quoi li passer, non, président Elia à quoi pour faire activité parallèle, ça, yon pratique BSA dénoncé. Président KNTA a papoté détail à précision yo dans une interview avec Angeline Joissin et puis Alex Jean.
Monsieur, nous comptons pour nous présenter aujourd'hui à un autre invité dans le journal 509. Nous parlons de la politique. Nous connaissons ça, qu'a brassé le pays d'Haïti. Il y a une crise qui vraiment a dominé l'actualité. Chaque jour, plus situation a été plus grave. Nous allons dresser un tableau encore pour vous, ou qu'on commence à y aller. Mais ce qui préoccupe nous ces derniers temps, c'est parce que nous ne comprenons pas très bien, la population ne comprend pas de ce qui a passé dans l'accord Montana. Il y a un accord qui était un espoir pour. En pile monde dans société civile là dans secteur politique dans pays haïtien si encore ça mais ces derniers temps on t'a senti gon problème et c'est ça nous même dans LNTV n'a cherché comprendre avec yon nan moun qui vraiment passé de présentation depuis Petro Challenger nous pas dormi à président et CNTA Conseil national transition jusqu'à ce que il y ait un membre du bureau suivi à Comontana James Beltis mon cher nous content pour nous faire bat boussa avec vous James na quel niveau nous a pas avancé na Comontana na moment n'a pas parlé là bon na niveau nous y na Comontana c'est que à Comontana nous connaît que une fois que accord a été signé nous te joignons consensus avec PEN. Et après ça, nous venons de jouer un élargissement de consensus là avec PEN et puis GRE, qui c'est PEN dans son regroupement de partis, son accord et tout. Et puis GRE lui-même, lui son acteur unique, qui lui-même qui te rejoint le consensus là. Mais depuis après période ça, nous connaissons que l'élection est une fête, et nous avons ensemble négociations qui entreprennent avec le pouvoir en place là. J'en étais déjà défini en d'accord. Mais pendant la discussion ça va faire avec le pouvoir en place là, il était continué tout avec le secteur privé des affaires là, il était continué avec de l'autre groupement politique qui pas signataire de groupe dans la société civile là pour nous capables de faire un genre pour nous élargir le plus. Parce que si nous avons gardé l'accord Montana, nous avons pris compte tout le monde était prévu, secteur, parti était prévu pour signer, lui, finalement il n'y a tout pas de signer. Donc une fois que l'accord lui-même lui finit de signer, il n'y a pas venu élection faite, et nous avons dit l'accord Montana, nous reconnaissons que le consensus nous joint dans l'hypoco suffisant. Pour nous aborder la crise là. C'est ça qui fait que un paquet de discussions qui entreprennent depuis après l'élection au fin fête pour joindre l'autre acteur pour participer dans le consensus là. Donc si n'a parlé jodi a de l'accord Montana, n'a dit accord Montana PEN et GRE, c'est ça. Oui, n'a dit consensus Montana PEN GRE. OK. Super. Est-ce que trois regroupements ça yo entendent yo assez bien ou bien dans moment n'a parlé là. Bon, moi je suis capable de dire que en dans consensus Montana, tant que le monde est toujours confondu, et Montana sont consensus liés. Donc, ce n'est pas une organisation unitaire qui gagne de un shot que tout le monde signe et partage de la même valeur qui réunit. Le consensus est un bagage qui est différent en consensus politique. C'est que le monde est à identité par eux, il est avec intérêt par eux, sauf que dans un moment historique, il a décidé de faire une forme d'unité. Donc, au niveau de consensus Montana Pengria, il y a gagné de espace de discussion pour vider contentieux pour foncer du bagaille mais jusqu'à présent capable d'où pas de tension en dans consensus Montana Pengria ou surtout joindre de tension au sein de Montana lui-même qui lui-même qui sont consensus qui beaucoup plus large. Mon cher content pour franchise avec nous et monsieur qui au parle non plus dans moment on a parlé là qui ça qui a passé en dans comme Montana qui ça créé tension ça. Bon, tension yo et tant kou gran pile moun ki fè kap viv yo, mais tension yo était toujours là en dans Montana depuis nan moment signature accord. Si nous rappelons nous avant accord signé, gen deux conférences inter-haïtien qui fait avant accord signé. Gen yon gon premier qui était fait, donc on a tout problème qui était gen dans Montana, gon deuxième qui fait, gen des acteurs qui était vini, qui était vini perturbé et mais au final accord les mêmes était rivé signé. Donc nous connaît que pays a son pays qui est extrêmement balkanisé, divisé. Et puis côté intérêt individuel ou bien de groupe yo fait au passé pire que intérêt collectivité ou bien intérêt pays. Donc yo paraît en grand public dernier temps ça yo, mais c'est pas parce que yo pas là déjà, c'est parce que gon mécanisme de gestion qui gagne dans comme Montana qui fait que yo pas public. Mais tension ça yo, c'est des bagages à gérer au jour le jour en dans Montana. Donc nous connaît que à chaque moment gagne de fortes crises, toujours gagne de tension yo, niveau tension yo monter. Par exemple, dernier ça qui a passé dans le pays là fait que niveau tension est monté. Tension est monté entre coordination accord là et élu qui au même dans contexte là pas même lecture sous situation. Donc le fait que pas même lecture sous situation, c'est grand pile effort qui fait pour nous gérer des bagages de l'intérieur, mais n'empêche que ampleur bagage la prend, li bail de bagage que le public là même y a vivre réellement vrai, c'est pour un groupe d'amis à Comontana qui réunit, mais son consensus politique, son effort d'unité qui très fragile. Et que vous devez prendre soin au jour le jour. Kounia, dis-nous comment ça y est entre
groupe Marco Montana ou bien consensus là et les deux élus enfin m'a parlé de bureau avec deux élus qu'on qui c'est Steven Benoît et Fritz Alfonjean. Bon, ça m'était capable de dans ça gagne moi-même dans le développement de tout fait à l'heure surtout prend des éléments internes. Avait dit que de tensions qui gagne au niveau interne que nous même n'a géré au jour le jour. Comme dans tout groupe. Dans tout groupe, même dans famille entre deux monde, mari et femme, bagaille ça existe. Mais en même temps tout li important pour nous connaître que depuis à quoi depuis initiative là prend depuis dans commission pour la recherche d'une solution haïtienne à la crise là, gagne une instance de Nations Unies qui en Haïti qui lui-même normalement qui portait une mission pour créer cohésion en dans société à pour aider société civile à avancer etc. On parle de BINU. De BINU. Mais en réalité dans les faits, c'est pas jamais initiative ça ou lui prend. Donc initiative haïtienne yo gain pour yo confronter à la fois problème interne yo, mais yo gain pour yo confronter tout assaut externe cap sorti de l'autre initiative cap essayer torpiller toute initiative haïtienne. Et moi même moi dit le public et dans dernier note Montana nous veut dénoncer c'est toujours ou gain organisme Nations Unies ça qui toujours a simé pour fig Jean Mounio dit simé poivre en dans Montana. Donc au lieu que yo encourager acteur yo aller dans sens unitaire là à chaque fois qu'on effort d'unité qui fait au contraire il a passé rallye de grain il a passé rallye de grain acteur en dedans pour traîner dans de l'autre initiative. Et ça li créé une vraiment situation difficile pour Montana parce que l'organ un acteur qui aussi important que Nations Unies dans un pays qui pas non logique encourager acteur uni yo mais qui rentre dans la logique de torpiller toute sa initiative haïtienne, c'est extrêmement difficile. Et on prend en compte dans notre BSA bureau suivi à quoi est sorti, on prend en compte qu'il a obligé à dénoncer Nations Unies. Parce que en fait, qui moment Montana est là, nous dans moment côté que nous dit tête nous, consensus Montana peine gria, il pas suffisant pour nous aller vers un consensus national, faut nous élargir consensus là vers d'autres acteurs. Donc une bonne parole qu'a fait avec un bon acteur politique, regroupement d'acteurs, secteur privé des affaires et l'autre groupe dans société civile là, il y a pas qu'été fort qu'a fait en ce sens. Et c'est pendant effort ça a fait et que monsieur dame Binu yo prend initiative pour font l'autre activité parallèle. Et activité parallèle là soit tendre élu Montana, il dit clairement que il reconnaît que il a cotisé pouvoir cotiser, Binu a cotisé dans de l'autre initiative avait dit qu'il pas forcément de initiative Montana. Ça veut dire nous dans situation au lieu que Nations Unies lui-même la font effort pour lui permettre que gagne unité entre acteurs haïtiens pour avancer, c'est surtout de action de division. Il y a PC fait dans râler monde sous côté, faire de l'autre off pour capable avancer, gagner au lieu d'avancer uni. James gagne tête syndic qui c'est une membre bureau qui te font sortir récemment qui dit gagne Fritz Alphonse Jean qui a travaillé pour déstabiliser Montana. Maintenant, nan ki niveau ça y est, qui ça nous compte faire? M'sout étant de 11 amis qui a parlé qui dit pas de n'a parlé là à quoi Montana a cherché un président. Est-ce que c'est vrai? Bon, en fait premier bail pour nous rectifier c'est que gagne un tweet qui t'est sorti qui rapporte un bagage et porte-parole à comme Montana a dit. En fait, dans le temps de intervention dans la radio, il pas dit comme ça. Il dit qu'il y a un travail de déstabilisation qui a fait en dans Montana et porte d'entrée déstabilisation c'est pas Fritz qui passé. Donc ça veut dire que même Jean Fritz ou gagne de monde qui a cotisé. Donc cotiser ça qui a fait beaucoup de Fritz dans Montana, li crée une déstabilisation dans Montana. Parce que haïtien dans politique nous toujours sceptiques, nous toujours méfiants. Donc si on discussion qu'a fait avec Fritz, avec de l'autre acteur, li normal que gè de moun ki inquiet pour connait qui ça cap dit, qui ça cap fait. Ati tandis que gambane rumeur cap courir à plusieurs reprises, monsieur Fritz Jean li oblige à démentir en série de bagay. Donc les rumeurs ça a courir, yo crée une situation de déstabilisation au niveau de Montana. Parce que une fois que pour qu'on gagne fait, il crée un doute dans tête un paquet d'acteurs et en dans Montana qui empêchait que nous joignent sérénité nous pour nous avancer dans ça n'a prélé un élargissement du consensus national là. On comprend ça dit mais m'a posé aux questions ça quand même. Est-ce que c'est vrai dans moment n'a parlé là Fritz Alphonse Jean a cherché ou bien si on a quoi avec PM Ariel Henry et Binu? Ça nous même nous connaît que gagne des discussions que Fritz Jean l'y entreprendre avec acteur ça. Et maintenant, intervention li fait public, li dit clairement que et discussion la fait c'est toujours dans cadre sa mandat n'a fait en cadre d'élargissement du consensus national là. Et ça me garde sous ça. Donc Montana pas chercher un autre président.
Non, si Montana son initiative qui transparent. Où elle a fait élection, comment nous faisons, toute activité nous comment nous faisons, nous toujours notre public de position de porte-parole là qui ont forte présence dans les médias. Donc tout ça n'a fait la public. N'a pas connu. Jusqu'à présent, est-ce que à quoi Montana ou bien consensus Montana Pengria, est-ce que nous toujours fait confiance à Fritz Alphonse Jean et Steven Benoît? Bon, je ne crois que moi qui dit nous pas fait confiance. Nous pensons que nous dans une situation politique qui est extrêmement difficile et que l'important pour tout le monde rester attaché avec projet nous construit ensemble. Donc et que c'est ça nous espérer de toutes et que nous croyons que il y a privé dans dimension ça pour yon bagay nous construit avec nation parce que c'est moi et Montana nous devons rappeler c'est 16 secteurs de la vie nationale qui en dans à Montana. Donc c'est nation hein, dans expression organisée qui construit un bagay pour dire li bon l'autre bagay li pa vle. Donc nous sûr que acteurs haïtiens yo gen clairvoyance yo capable permettre que société a lui-même li fait expérience yon bagay unitaire un bagay conséquent que haïtiens fait ensemble. Nous croyons que yo capable faire ça et que nous pensons que et moment turbulence ça yo y a passé et que sérénité a retourné dans pays a pour nous bay ça haïtien bon bay haïtien ça ne promet yo. Question ça li pas pour yon acteur directement li pour tout et consensus Montana Pengria et nan ki niveau nou yé avec dialogue nous té entreprendre avec gouvernement. Bon depuis en juillet gen on note et consensus non Montana sorti côté que yo dit clairement que yo campé discussion avec monsieur Ariel Henry. Et bon en français on dit aussi au soir sous lui et il avait dit yo stopper le mais yo pas et pas pour ce qui pas gain possibilité pour le reprendre parce que dans discussion était gain avec son agenda de négociation gain un point il était refusé mettre en dedans et que son point qui pour Montana qui fondamental ce qui c'est point rétablissement des trois pouvoirs de l'état a dit mettez l'ordre dans tête l'état parce que pour nous même au niveau de Montana on pas mettre l'ordre dans pays si gain des ordres dans tête l'état. Donc ça veut dire que constitution dit clairement que son pouvoir à trois têtes liées, c'est son exécutif à deux têtes et puis après son organe législatif là avec judiciaire là. Donc pour nous même et pour me comprendre Ariel Henry pas de bon président. Non, il pas de bon président parce que pour tête parle international pas le président et que pour nous même question on gagne un président pas un président, il pas dépend de nous même ni de Ariel, c'est la constitution du pays. Pas un acteur tiers qui est capable de décider un pays pas bien président. Donc non à quoi il dit clairement que n'a fait tout ça nous connaît pour nous être plus proche constitution possible côté le pas capable appliquer n'a chercher consensus mais côté le cas appliquer c'est appliquer mais ça qui clair c'est que moun yo gont tendance pour yo fait toute bagaille tourner bouille vide comme si pap plan si un document et puis nous fini gan pile moun qui t'espérer c'est ça qui fait mais nous gain 200 ans n'a fait li pas ba résultat tant comme toujours aimer dire on pays son bagaille qui sérieux. Tout pays net ou qui nan niveau que nous même nous espérer Haïti ya, yo prend temps pour yo construire. Et là yo prend temps pour yo construire, yo prend temps pour yo construire sérieusement. Pas gen courir répéter courir avec pays, pas gen bouillir vider avec pays. Et c'est ça qui nan tête en pile monde nan pays ya qui pense ah on ici on papier là et puis nous aller nous partager pour ça. Nous fait 200 ans faire les résultats. Pas aucun pays qui nan niveau acceptable côté que yo pas prend temps pour yo faire dialogue ça pour nous entendre nous son bagay. Et puis gros problème pays d'Haïti c'est incapacité ça. Pour nous entendre nous son bagage pour nous dire n'a pas avancé selon ça. Tout pays sous la terre qui avancé c'est ça au fait. Donc dans moment côté nous arrivons dans désintégration totale de pays là côté là qu'on y a même le monde pas rien. C'est le moment pour nous dire clairement qu'il faut nous poser problème sérieusement. Pas répéter courir bouille vider avec pays d'Haïti encore. Dans phase d'arriver là, faut nous chiter en côté pour nous dire sérieusement mais qui j'en a organisé pays là et mais qui agenda n'a implémenté dans 2 ans cabine là. Si nous pas qu'à faire ça, ben nous garantit Blanc a débarqué, même j'ai débarqué en 2004, il a fait 17 ans, là au final, tout le bagage a fondu derrière. Madame, monsieur, nous avons fait une entrevue exclusive avec un membre bureau, suivi à Montana, James Belty, président KNTA, bien sûr. Et nous comptons pour nous avec lui et parce que nous avons édifié, nous avons pile d'informations qui t'a circulé parce qu'on y a un point qui fait sur yo et nous souhaitons que toute information soit vraiment utile. Merci beaucoup tout le monde et à bientôt. Voilà, amis téléspectateurs, c'est le moment pour nous observer la troisième pause noire. Restez branchés, pas déplacés.
Merci là, ce que toujours été branché les amis téléspectateurs. Nous retournons tout de suite après pause là, mais reste information. Yo avocat international UBI voué jeter comportement policier face à ka manifestant yo nan maspiné yo avec gaz lacrymogène a coûté la vie yo. Coordonnateur bureau a maître Mario Joseph Sonilier population a gen tout droit pour li manifester selon constitution 87 la. Policier ou la protéger bien ak vi moun ki sou li a. Plus détail nan micro Franklin Pierre a Kakerine Pierreville. L'autre problème ba gen la pande tête li pour qui ça? Nous pas qu'on ka transcende pour nous changer système pesé sous ça. Pour nous arriver dans transition coupé fâché là. Dans conférence nationale là. Qui problème qui vient pas ka transcende tête nous? Est-ce que nous pas moun même dans l'autre monde yo? Nous pas moun tant que moun Mali yo. Nous pas moun tant que moun Burkina Faso yo. Pour qui ça nous pas transcender, nous était et peut-être élément que nous gagnons, nous regardons. Nous connaissons que gagner hégémonie américaine, qui là, quoi groupe yo. Mais nous et tout, leader nous yo, pas qu'on rejette yo même yo entendre yo dans quoi groupe là. Yo tout, yo conformé yo. C'est les États-Unis qui ont le pouvoir ici. Ce n'est pas le peuple qui a voté. Alors que le peuple a rejeté, il a montré ça dans la dernière manifestation, il a fait là. Et malgré tout, il y a aucun même mordicus. Parce que vous connaissez blanc, hein, c'est américain qui a le pouvoir. Mais dis-le-moi, nous, papa blanc, nous, père blanc, nous ne pouvons pas faire rien indépendant sans pas gagner blanc là-dedans. Mais attendez. Il y a une solution qui pour résoudre le problème. Nous avons sacrifié et Jean Fritz et impérialiste à l'aile, parce qu'elle était seule, lui-même pour contre lui. Eh bien, nous ne sommes pas capables, puisque c'est comme ça, c'est pour nous faire des représentations et un leadership collectif. Vous avez dit que c'est collectif. C'est un leadership qui gagne un pile monde là-dedans que blanc pas carrelé. Les gars le monde laisse nous arrêter. C'est peut-être ça. Moi-même, ça c'est idée personnellement, c'est pas BAI. Moi-même Marie Joseph m'a dit et m'était dans radio Mega ça m'a dit le samedi là. Pour qui ça? Non pas choisi aller dans département yo. Monde dans département c'est mon pays d'Haïti yo. Si nous prenons 10 départements nous gagne yo. Nous choisi 5 monde là-dedans yo. Et dans la diaspora, nous choisissons 5 personnes. Bon, nous ne devons pas considérer nos flèches, même si nous n'avons pas de chiffre sacramentel. Et bien, pour nous faire ça, nous avons le Conseil national, nous avons le nous gagnons de gouvernement. Eh bien, c'est lui-même qui va choisir qui est le président. Et c'est ensemble avec le Premier ministre, il a choisi le Premier ministre. Avec le Conseil, il a choisi le Premier ministre. Laisse ça, quoi groupe? Les États-Unis, pas qu'à jouer, pas qu'à râler au monde. S'il râle au monde, après trésor. Donc, je pense que c'est pour nous comprendre que si on leadership, solo a pas marché encore. Sélection haïtienne football en Piteo continue à enchaîner victoire pour 4e match dans la Coupe du Monde en Piteo dans Istanbul, pays Tiki, Grenadier ou bat sélection. Américain en Piteo 6 goals à 2, Biter ou Serendondo El Principe Richard qui marquait 4 goals à John Spinoza. A Kassavio Lachol pour te racheter billet qualification pour cadre final. Grenadier yo a gagné pour rencontrer Tanzanie qui bat Japon 3-1 demain jeudi pour aller chercher qualification yo pour demi-finale. La déformation des amis téléspectateurs irresponsables, c'est sous thème ça, professeur Lydie Jean Houtvel, qualifié comportement ministre éducation nationale là. Nesmi Maniga, peut-être l'été annoncé l'école là doit l'ouvrir 3 octobre passé. Alors que le pays a fait face à toute qualité problème. Toutefois, le professeur a exprimé indignation par rapport à l'autorité qui n'a pas bail éducation priorité dans le pays d'Haïti. Plus explications dans le micro correspondant à nous, dans le site Richmond Joseph, Wailen TV. C'est jour
officielle rentrée des classes dans le pays d'Haïti. Côté que tout pays a droué en branle, t'a droué en branle matin pour l'école, ensemble avec tout élève, professeur, tout t'a droué, météo en branle pour permettre à ce que rentrer l'école là, fête jeudi. Mais nous remarquons face à la situation pays, face à la situation autorité qui dans le pays, mettez pays, journée jeudi, ça permet que rentrer l'école là, li et boycotter matin. Nous-mêmes, en tant que professeurs, ça nous a frappé jusqu'au cœur. Et là, nous voyons que Timounio, qui nous-mêmes gagnons une mission pour nous former, je dis, c'est comme ça, ça arrive. Et là, nous connaissons un pays, éducation, c'est la clé du développement. Or, sans éducation, le pays n'a pas qu'à avancer. Nous voyons que Haïti, politiciens, ils n'ont pas de sacré lé, de politique éducative pour permettre que l'éducation marche dans le pays. C'est ça qui fait que nous, en tant que professeurs, nous sentons nous révoltés dans toutes dimensions matin, dès que nous voyons que journée l'école, ça, eh bien, les boycottés. Ça cause l'école là-bas ouvrir même, pour nous. Bon, normalement, l'école, pour ouvrir, il faut qu'il y ait un ensemble de mise en place qui fait. L'enga de que le ministre éducation qui dit que l'école c'est toi. Mais 3 octobre, l'école, je dis, nous gagnons sacré l'insécurité qui flagrante dans le pays, qui bat son plein dans le pays. Or, nous gagnons encore un produit gazoline qui est un produit transversal. Je dis, pas de gaz, insécurité et surtout situation difficile que le peuple a enduré dans un moment de crise, la faim prête pour tout le peuple. Et bien, c'est tout ensemble de gamme de choses à yo, et bien, qui bloquait l'ouverture de l'école là, je dis. Ensuite, songez bien samedi que nous pas gagné un pays qui penchait sur l'éducation. Nous gagné un premier ministre, Ariel Henry, qui lui-même pays a pas intéressé. C'est seulement patron que l'a servi qui intéressé, c'est les États-Unis, c'est la France, c'est le Canada, c'est yo qui a bal l'ordre. Je dis, nous-mêmes peuple haïtien, nous révoltés encore une fois dans toute dimension nous, parce que nous estimons que pays a pas marché, pays a pas gouverné et nous, c'est ça qui fait que nous demandons, et nous-mêmes en tant que professeurs, non seulement nous demandons au ministre de l'Éducation pour, si vraiment il y a une mission pour ouvrir l'école en Haïti, fort dans le conseil des ministres, dans le conseil avec le ministre pour permettre que, eh bien, l'insécurité baisse, pour permettre encore que nous jouions gasoline pour permettre que encore professeur yo traitement yo faut le bayol correctement, parce que comment professeur va rentrer dans la salle de classe et bien présence de timoun alors que professeur a jodi a fait 2 mois li boko jambe touché. Plusieurs militants manifestés dans la ville au Cap le mercredi 5 octobre 2022 pour protester yo pas caché frustration yo face à mauvais traitement à sibi en bas mais agent force l'ordre. Militants ont continué mandé premier ministre Ariel Henry pour la pied parce que pays a pas dirigé. Correspondant nous dans le nord et votre coup d'adapter sur place pour plus de détails en suivant.
Eh bien, peuple a grand goût, peuple a un chômage, peuple a une insécurité. La Jamaïque est tête nègre, n'est-ce pas, descendre l'argent. Eh bien, nous-mêmes, en tant que général, nous passons l'ordre dans toutes 19 communes. Non? Et dans le département nord, descend dans l'ouest, nous bloquons le nord. Et nous avons bloqué dans toute intégralité. Nous avons bloqué Dondon, nous avons bloqué Saint-Raphaël, nous avons bloqué Pillon, nous avons bloqué tout du Nord, nous avons bloqué Lembe, nous avons bloqué Plaisance et nous avons déjà passé l'autre tout côté ça pour bloquer. Aucun bœuf pas bouffé, aucun bagasse pas bouffé, aucun bureau d'État pas bouffé, aucun école pas bouffé, jusqu'à ce que Ariel Henry allait. Il y a des gens qui ont des coulines dans la main, il y a des manchettes, il y a des couteaux. Il y a des bâtons. Il y a des bâtons dans le monde, il y a des marteaux dans le monde, il y a des masses dans le monde. Voilà, papi. Jésus, elle a commencé. Jésus, elle a commencé. Jésus, elle a commencé. Jésus, elle a commencé. On dépose du huile, l'huile, quoi? Spaghetti, ton dépôt pour du alimentaire, bien sûr. La police. Oui, c'est un dépôt devant le collège Marie-Madeleine. C'est là. C'est notre dépôt. Qui sous route nationale là, nous pas caïdé. Voilà. Voilà. Et bon, c'est ça là. Ok? Voilà. Mes téléspectateurs, nous venons un moment pour nous mettre un bout à régional là pour jeudi, mais avant nous aller, quittez nous rappeler au tout grand point. Banque République d'Haïti a annoncé qu'il décide de prendre une pause pour 3 mois qui commençait lundi 3 octobre passé, sous des dispositions dans ce qui est 114-3 concernant paiement transfert en dollars américains. Côté autorisé maison transfert à banque pour faire gens ça te compte fait avant maison transfert yo a carrémettre client yo l'argent en dollars américains. BRH en suspend toute disposition concernant vente de devises qui dans qui est 114-3 qui était obligé sous agent yo négocier 30% dans l'argent dollar américain il te con recevoir avec intermédiaire. École Saint-Pierre alias Baba militant petit Dessaline joine libération li jeudi 5 octobre 2021 après il était fin journalistation le 3 octobre qui s'est passé là. Divers protestataires étaient passés dans le niveau local, la parquet Port-au-Prince qui sur route la LIA pour déposer solidarité avec lui et puis exprimer satisfaction pour libération Bab et puis continuer avec même forme revendication qui s'est départ PM Ariel Henry. Bio avocat international UBAI voulait jeter comportement policier face à manifestants yo dans Maspiné yo avec gaz lacrymogène à coûter la vie. Coordonnateur Biwa, M. Mario Joseph a souligné population a tout droit pour manifester. Selon la Constitution 87, la police est là pour protéger bien
ak vi moun ki sou liye a. Plizye militan manifeste nan vil ou kap an jounen mèkredi 5 oktob 2022 a. Protestate yo pat kache fiskasyon yo fas ak an mouve tritman yap sibi an ba men ajan fos log yo. Militan yo kontinye mande Premier Ministre Ariel Henry pou lage piel paske peyi a pap dirije. Se ansanm konsay wakan pilote ki te devlope, ete branche televizyon Alen TV. Pres programasyon. Ba bay tout moun.